13h à Cotonou au Bénin. Bonjour à toutes et à tous. Merci de rallier le rendez-vous de l'information. Avec vous, nous prenons la direction de Parakou. Là-bas, les autorités municipales veulent faire de cette ville une ville d'équilibre. Mais comment y parvenir? Les réflexions sont en cours. Elles tournent autour des moyens, mais surtout des stratégies à développer pour gagner le pari. On a parlé avec Nestor Sela et Olviga Messan. À travers cette conférence de territoire qui réunit tous les acteurs de la gestion de l'espace, les autorités municipales optent pour une ville métropole d'équilibre d'ici 2034. La vision de la commune est faire de Parakou une ville vitrine, bien gouvernée, à économie durable, ouverte et sécurisée dans un environnement sain de bien-être social et à rayonnement culturel national et international. C'est pourquoi nulle opportunité n'est de trop. Il faut ratisser large pour y parvenir. Et pour y parvenir, les enjeux et défis du développement de la ville de Parakou doivent être basés sur certains projets structurants, recommande le représentant de Cœur Bénin, Togo. L'amélioration de la qualité des services publics, tels que l'éducation, la culture, la santé, l'assainissement, l'eau potable, l'électricité de la ville. La promotion, bien évidemment, d'une économie locale à forte valeur ajoutée pour l'emploi des jeunes sera aussi abordée, ainsi que les questions de mobilisation des ressources pour la rénovation et la diversification des services publics marchands. La vision des autorités municipales de Parakou cadre bien avec les trois piliers structurants du programme d'action du gouvernement. Trois piliers structurent le programme d'action du gouvernement, à savoir consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, engager la transformation structurelle de l'économie, améliorer les conditions de vie des populations. À travers le troisième pilier, le gouvernement ambitionne faire de l'aménagement du territoire un précieux instrument de développement équilibré et durable de l'espace national. C'est dans ce cadre que, depuis 2016, deux importants instruments sont rendus disponibles, à savoir la loi cadre sur l'aménagement du territoire, le schéma national d'aménagement du territoire que nous appelons encore agenda spatial, qui traduit la vision spatiale du développement du Bénin à long terme. L'agenda spatial adopté depuis 2016 entre dans sa phase active avec la présente conférence du territoire sur la ville de Parakou. Ce PDU validé ambitionne de faire de la cité des Kogourous à l'horizon 2034 une ville durable au noyau urbain densifié. Une métropole dotée de zones aménagées pour toutes ses fonctions, une cité rayonnante par la qualité de sa gestion, de son aménagement par un cadre de vie respectueux des règles d'urbanisme, qui offre des services innovants, accessibles à tous les citoyens, une cité à paysage panoramique exceptionnel, qui attire les entreprises, les communes béninoises, africaines et étrangères. L'initiative des autorités municipales de Parakou de façonner la cité de Kogourous d'ici 2034 est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement de la rupture. Venons-en à cet atelier d'appropriation du développement conduit par les communes. À Boïcon, les acteurs impliqués dans l'exécution des sous-projets s'imprègnent des spécificités liées à cette nouvelle approche. Ronald Robinson et Théodore Gandjeko. Pour la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration et celle du nouveau partenariat stratégique 2018-2023 avec la Banque mondiale, le Bénin a obtenu de cette dernière un financement pour conduire le projet ACES, projet d'appui aux communes et communautés pour l'extension des services sociaux. Venant en appui au projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, le projet ACES vise le renforcement du système de protection sociale au Bénin via l'accès aux services sociaux de base, aux filets sociaux.
Il importe, pour y arriver, que les acteurs à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale maîtrisent les spécificités de l'approche de développement conduite par les communes en vue de faire des communautés le fer de lance de leur propre essor. Bien que le Bénin en général, et notre ministère en particulier, capitalise une expérience significative de cette approche, nous n'avons pas encore réussi à incorporer totalement le DCC dans le processus de décentralisation ni dans toutes les stratégies sectorielles. Le présent atelier qui rassemble les préfets et certains cadres des préfectures a pour principal objectif l'appropriation de cette approche et le renforcement de leur capacité sur l'exécution des sous-projets DCC. Pour peu qu'elle soit maîtrisée, cette approche de gouvernance qu'est le développement conduit par les communes se révélera encore plus efficace en considérant les objectifs du projet ACS. Par cette approche, la Banque mondiale a hautement contribué à améliorer l'accès des plus pauvres aux services socio-économiques de base. Ces financements ont permis la construction de nombreuses infrastructures communautaires tout en renforçant les capacités de collectivités locales et l'inclusion des femmes. À travers la mise en œuvre de la loi sur les marchés publics, vous pouvez imaginer que ces communautés qui ne sont pas habituées à des procédures administratives comme nous arrivent quand même à identifier des projets, passer les marchés régulièrement et ensuite les attribuer et en faire le suivi. Et donc, c'est une approche que moi j'ai toujours appréciée dans le projet. Ça forme davantage nos communautés à s'habituer à la chose publique. Au terme de la formation, il est attendu que les participants sachent mettre au service de leurs administrations et des communes et communautés des conseils techniques pour les aider à mettre en œuvre leurs sous-projets conformément aux exigences et stratégies liées aux secteurs sociaux. Et on s'intéresse maintenant à l'opération d'insémination artificielle bovine. L'opération a commencé, elle se déroule à Gogounou. Nos reporters sont allés sur le terrain, ils ont interrogé les différents acteurs. Campagne d'insémination artificielle bovine. Le directeur de l'élevage explique le bien fondé de l'opération. Le gouvernement, au regard des ambitions affichées en ce qui concerne la production de lait et de viande, et face à la contrainte majeure que constitue le faible niveau de productivité de nos races locales, a bien voulu faire recours à l'insémination artificielle. Simplement parce que l'insémination artificielle apparaît comme un puissant outil d'amélioration génétique. À titre d'exemple, lorsque nous récoltons l'éjaculat d'un seul taureau, cela permet d'inséminer 200 à 300 vaches. Et les veaux qui en seront issus vont avoir une capacité de production laitière de 3 à 4 litres de lait par jour, contre 1 litre de lait par vache par jour actuellement. Une opération bien structurée, des démarches scientifiques pour des résultats concluants du laboratoire jusqu'à l'implantation de la semence. On décongèle une paillette, on attend ça se faire dans de l'eau à 36 degrés ou de 36 degrés. Pendant 30 secondes, 40 secondes. Et puis, on retire la paillette. On retire la paillette du décongélateur. On nettoie avec du papier buvard. Après quoi, on charge le pistolet. Il y a le pistolet qu'on utilise, on l'appelle aussi seringue, à inséminer. On charge la paillette et on coupe. On coupe le bord supérieur. Lorsque vous coupez le bord supérieur, ça veut dire que c'est par là que la semence va sortir et entrer dans la voie génitale de la femelle. Vous prenez, vous videz le rectum de la vache qui contiendrait peut-être des masses fécales. Vous videz pour pouvoir opérer là. Une fois vidé, une fois le rectum vidé, la première chose à faire c'est de pouvoir saisir le col de l'utérus. Le col de l'utérus. Si vous ne réussissez pas à saisir le col de l'utérus, c'est que vous allez rester là, après tout le temps, vous ne ferez rien. Maintenant, dès que vous saisissez le col de l'utérus, là, vous pourrez chercher l'entrée du col de l'utérus. Vous avez saisi le col, c'est ça. C'est en ce moment que vous introduisez, vous nettoyez les vulves, vous introduisez le pistolet habillé.
à l'entrée du col de l'utérus, vous enlevez, vous déchirez la graine et la chemise sanitaire. Vous déchirez la chemise sanitaire. Et donc, c'est la graine seule. La goutte étant à côté aussi, vous pressez, commencez par presser. Ça va, l'ensemble ira. Maintenant, une fois que vous êtes au niveau de l'entrée, vous devez poursuivre votre chemin. Le col a une certaine longueur. Après l'entrée, il faut faire une certaine longueur d'abord, 6 cm, ça dépend de l'animal, 10 cm, et vous entrez dans l'utérus. Dès que vous sortez du col, juste à l'entrée dans l'utérus, vous pressez. Cette insémination bovine participe à coup sûr à une meilleure rentabilité dans le sous-secteur élevage. La 31e journée mondiale de lutte contre le sida a été également célébrée au Bénin. La cérémonie officielle a eu lieu à Parakou. Sur initiative du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les IST, le compte rendu de Cadnel Capo et Dorcas Tito. La journée mondiale de lutte contre le Sida 2019 est placée sous le thème « Les communautés font la différence ». Les organisations communautaires font la différence dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle constitue en effet, selon la communauté internationale, le maillon le plus expressif dans la riposte contre le phénomène. La différence à faire par les organisations communautaires doit permettre de faire la lumière sur la vie des PVH en les sortant de l'anonymat, en leur garantissant un accès approprié à des soins adaptés à leurs conditions partout où ils sont. Oui, des soins de qualité, une assistance psychologique à la hauteur de leurs attentes et surtout, nous devons lutter contre les ruptures fréquentes des intrants, toutes choses qui ne permettent pas d'assurer une continuité des soins aux personnes infectées par le VIH. Selon le Centre d'information, de prospective et de conseil sur les IST et VIH-SIDA, 9000 personnes sont actuellement porteuses du virus dans le département du Borgou, dont 60% de femmes. 3000 patients sont sous traitement ARV, dont 234 enfants. Des statistiques alarmantes qui interpellent. Les communautés, c'est le meilleur moyen d'atteindre des personnes. Les gens de la communauté se font confiance entre elles. Les associations de la communauté peuvent identifier ceux qui sont malades ou affectés et les orienter vers les centres de prise en charge. Nous avons donc besoin de ces organisations sous le leadership de nos responsables départementaux. Enfin, les communautés vont permettre de diversifier la manière d'offrir les soins. Aujourd'hui, nous rentrons dans la communauté. À partir de l'année prochaine, les agents communautaires pourront aller dans la communauté distribuer les ARV pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui habitent très loin des centres de prise en charge. Il importe de souligner que les organisations communautaires apportent une contribution appréciable dans le cadre de la lutte contre le sida. Elles constituent un canal de riposte efficace contre la propagation du mal et un pilier important d'assistance aux personnes infectées. Dans cette dynamique, les personnes vivant avec le VIH, les populations ainsi que les associations de jeunes et de femmes apportent leur soutien aux actions de lutte contre le VIH et contribuent à la défense des droits des membres de leur communauté. Des séances de dépistage gratuites de la maladie, des démonstrations pratiques du port de préservatifs, des séances de sensibilisation sont entre autres activités inscrites à l'ordre du jour de ce rendez-vous. La société civile dans le Borgou à Libori évalue la qualité de l'enseignement au Bénin. Sous l'égide du réseau social WASH Bénin, elle fait le diagnostic des problèmes qui minent le secteur de l'éducation. C'est à l'occasion de la première édition de la quinzaine de la recevabilité au Bénin. Retour sur la cérémonie clôture avec Boniface Kolaolebiao. Une éducation de qualité au profit des enfants du Bénin. L'amélioration des efforts dans ce sens préoccupe ici élus communaux et sociétés civiles. Nous avons un déficit d'enseignants. Il y a les problèmes liés à la qualité de l'éducation ou de l'enseignement par apprentissage et le problème aussi des mobiliers.
Et pour la représentante bureau du réseau Social Watch Bénin, la source de cette difficulté diagnostiquée réside dans la mauvaise compréhension des réformes par les différents acteurs. On a compris aussi sur le terrain que beaucoup d'acteurs ne maîtrisent pas ces réformes. Même les directeurs, les concernés qui doivent appliquer ces réformes ne les maîtrisent pas encore. Pas du tout. Il n'y a pas l'information autour de cette réforme. Le programme redevabilité du Labo Citoyenneté propose pour une sortie de crise. Nous pensons que si les organisations de la société civile et les communes se mettent ensemble, elles pourront se tenir la main et parler d'une même voix et faire le plaidoyer au niveau où il faut le faire pour que leur voix soit entendue. Le préfet de la Liborie appelle, lui, à une concertation franche pour des propositions concrètes afin de sortir l'école béninoise des sentiers battus. L'occasion vous est donnée aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, cet atelier que Social Watch a bien voulu vous offrir avec certainement l'accompagnement du laboratoire citoyenneté pour que, même si l'abcès est crevé, pour qu'on aille plus en profondeur et qu'on ait vraiment une documentation pour pouvoir faire le lobbying. En marge de ces assises, 10 distinctions ont été attribuées aussi bien aux organisations de la société civile qu'aux communes bien engagées dans la redevabilité et la citoyenneté. Prendre la parole en public, s'exprimer et défendre ses idées, cela s'apprend. Le mouvement Toastmaster vient d'organiser à Parakou la 9e édition de la fête de la parole sous l'égide des deux clubs de la cité des Koburu. Michael Nouati et Bertin Adimi ont suivi pour nous. Ce que nous faisons, c'est quelque chose de bien. Doté de raison, ce qui permet à l'être humain de vivre en parfaite harmonie avec ses semblables dans la société, c'est sa capacité à communiquer. Le mouvement Toastmaster s'emploie donc à apprendre à ceux qui le désirent l'art de savoir communiquer, de savoir parler devant le public. Et c'est tout le sens de l'organisation des événements dits « Fête de la parole ». C'est la seule occasion pour les Toastmasters de se regrouper, de présenter des discours aussi bien en français qu'en anglais, et de permettre au public de vivre en direct ce que c'est que Toastmaster et qui ont été transformés par Toastmaster. Pour avoir choisi de faire partie du mouvement Toastmaster international, Didier Voitant se voit aujourd'hui transformé. Je fuyais le public et c'était un handicap et périlleux pour moi, prendre la parole en public, ça me motivait. Mais grâce à Tengue, grâce à Toastmaster International Club, j'ai pu sauter ce verrou, cette peur qui était en moi. Je suis désormais un communicateur compétent. L'audace est la thématique que le désormais communicateur compétent a choisi pour tenir le public en haleine. Comme lui, bien d'autres membres de Toastmaster International l'ont fait, montre de leur savoir-faire à travers des discours cohérents. La gestuelle, la variété vocale, l'élocution, la posture, la gestion de temps, l'écoute du public, autant de paramètres dont on tient compte pour permettre aux membres du mouvement d'affiner leur talent d'orateur. Que vous soyez dans un club de Toastmaster, en français, en anglais, en chinois ou toute autre langue, nous avons un seul objectif, savoir communiquer ou devenir un leader. Réunis à Parakou dans le cadre de la 9e édition de la Fête de la Parole, les membres de ce mouvement pensent avoir fait œuvre utile à travers cette communion avec le public. La 10e édition de la Fête de la Parole en 2020 coïncide avec le 10e anniversaire de création de Tengue Toastmasters Club de Parakou. Travailler pour une vie complémentarité,
travailler pour une complémentarité, j'allais plutôt dire, missionnaire intégrant le genre, la bonne gouvernance et le respect de la dignité de la personne humaine sont entre autres engagements pris par les communautés religieuses catholiques du Bénin. C'est à la faveur du symposium national de la vie consacrée des sociétés de vie apostolique. On en parle avec Ronald Robison et Théodore Gandjeko. Cette célébration eucharistique met un terme à 3 jours de symposium national des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. João Braz de Avis, cardinal et archevêque catholique brésilien, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique depuis 2011, a célébré cette messe au sanctuaire Notre-Dame d'Arigbo de Dassa. Il s'adresse ici à tous les consacrés de la vie religieuse. Je veux que tous ces peuples-là soient fidèles, que nous pouvons aller jusqu'à la mort et prochain au Seigneur, et que nous pouvons être meilleur chaque jour, comme le Seigneur veut pour nous et pour les sœurs, surtout pour les pauvres, pour les plus petits, pour ceux qui n'ont rien, comme dit le pape, comme dit l'évangile. C'est la première fois que je viens et j'ai découvert un peuple joyeux, un peuple pauvre, mais un peuple qui a de l'espérance, qui veut cheminer ensemble. Je ne suis pas sûr que tous les pays y ont pensé. Le Bénin y a pensé et a invité le cardinal qui est chargé de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. C'est une première au Bénin et ce ne sera pas une dernière. Institut de vie consacrée et société de vie apostolique au Bénin, identité, charisme, mission et impact sur la société, c'est le thème autour duquel cette assise des communautés religieuses du Bénin s'est tenue à la grande satisfaction de tous ceux qui y ont pris part. Les thèmes vraiment qui m'ont plus touché, c'est surtout l'identité même du consacré, voilà, au sein de la société, là où nous travaillons, notre identité, comment définir notre identité pour travailler, pour aider nos frères et sœurs. Nous sommes des personnes qui devons refléter le visage de Dieu, l'amour de Dieu au milieu de ce peuple-là. Et c'est pour ça qu'on a revisité tout cela. Alors maintenant, nous partons pour réveiller le monde en quelque sorte. Ce fut un plaisir, je vous assure, je suis très contente. Je voudrais tout simplement souhaiter qu'au Bénin, il y ait de plus en plus de vocation à la vie consacrée. Parce que la vie consacrée, c'est quoi? En un mot, c'est imiter le Christ de plus près. Et plus on imite le Christ, plus c'est le bonheur autour de soi. Plus on sent le paradis, plus on s'entraîne, plus il y a la solidarité, plus il y a l'amour. Ce prestigieux hôte, érigé en modèle de consécration, est depuis 2011 préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, un organisme de la curie romaine. Il fut archevêque de Brasilia de 2004 à 2011 et est aujourd'hui cardinal de l'Église catholique depuis 2012. Rendez-vous a été pris de nouveau avec lui dans 5 ans à Parakou. Place maintenant au magazine de ce journal consacré au port de perruques. Vous le savez, les femmes portent de plus en plus des perruques de nos jours et cela pour diverses raisons. Quels sont les motifs? Est-ce que cela a des impacts sur l'activité des promotrices de salons de coiffure? Génial Afouda Monsiagbouka a mené l'enquête. Regardons ensemble. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Cet adage résume bien la situation des promotrices de salons de coiffure, aujourd'hui confrontées à une baisse de clientèle due à la montée du port de perruques par les femmes. Les clientes ne s'intéressent plus trop au tissage et aux tresses. Elles préfèrent les perruques. Une habitude que les clientes sont de plus en plus nombreuses à adopter pour différentes raisons. Je préfère la perruque parce que bon, c'est pour gagner le temps. Oui, c'est rapide quoi. Ça a des qualités. Bon, il y a naturel et synthétique. Perruque fait des longs contours. 15 minutes.
Ce pourquoi moi je préfère la perruque, c'est que cela me fait gagner beaucoup de temps. Déjà en 15 minutes, tu te la fais poser et tu te lèves. Plus important encore, ça revient nettement moins cher. Tu peux en faire plusieurs. Et dès que tu as une sortie, il suffit de la poser sur la tête. C'est très économique. Du temps gagné et des dépenses en moins, une habitude à double avantage donc pour les clientes. Mais du côté des coiffeuses, le phénomène pèse négativement sur les revenus. Avec cette nouvelle tendance, il y a moins de travail et donc une baisse de revenus. Poser une perruque nous rapporte moins d'argent. Les perruques peuvent durer plusieurs mois selon la qualité de la mèche et l'entretien que l'on en fait. Le fitness, un moyen pour perdre du poids, la pratique devient courante. Certains ont même réussi à vaincre l'obésité en suivant un planning spécifique comme Emon Loco que vous allez découvrir dans ce reportage de Calvador Arwano et de Herman Rodrigue Amenga. Derrière ses lunettes à peine visibles dans une forêt de barbe, se cache la force d'une détermination. Une abnégation exacerbée pour venir à bout de ce qui semblait être une fatalité aux yeux de certains. Herman a réussi le miracle d'une transformation musculaire. À 24 ans, je faisais 150 kilos et j'avais des difficultés à marcher. J'avais des maladies liées à mon obésité. Et un jour, quelqu'un m'a dit, ben, toi c'est fini, tu ne peux plus perdre du poids. C'est fini, ton cas est perdu. Et voilà, c'est le déclic, ça a été l'événement qui m'a poussé à commencer le sport. Et voilà, aujourd'hui, j'ai perdu 60 kilos depuis deux ans. Et voilà, je fais du maintien depuis deux ans et voilà, je ne reprends plus de kilos. Il abolit lui-même son triste sort d'obèse au moyen d'une pratique accélérée du fitness, un résultat acquis au fil du temps, son meilleur allié. J'ai commencé avec de la marche. Je faisais trois jours de marche, environ une heure de marche, trois fois par semaine. Et après trois mois, je me suis mis à la musculation. Mais au départ, c'était vraiment la marche. J'ai commencé petitement. Et à chaque fois, j'essaie de monter un peu en intensité, un peu en intensité. Voilà. Voici là où je suis. Voilà le résultat aujourd'hui. Il sourit aujourd'hui tant il revient de loin, heureux de ses muscles et abdos. Quand il se regarde dans le miroir, Herman est fier de ce que le reflet lui montre. Il partage ses journées entre ses activités professionnelles et la salle de fitness sur les réseaux sociaux. Le jeune barbu expose sa success story. Devenu lui-même coach sportif, il milite pour un monde où tous pourront vaincre comme lui l'obésité. Ça prend du temps. De toute façon, le temps va passer. Donc, c'est mieux de commencer aujourd'hui. Vous vous lancez, vous commencez. Et tout en sachant que le temps va passer. Et si vous restez là à ne rien faire, si ça doit prendre 3 ans pour perdre votre poids, les 3 ans vont passer si vous ne faites rien. Donc c'est préférable de commencer, de se lancer. Et voilà, d'être patient, surtout d'être patient et de savoir que c'est un travail sur le long terme et que les résultats viendront forcément quand on travaille. Son discours impacte, sa persévérance édifie et son engagement motive autour de lui. Herman est le symbole d'une restructuration corporelle épatante. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous avez rendez-vous avec Estelle Pazou. D'ici là, portez-vous bien.